Bienvenue sur la chaîne Double Cosmos qui t'aide à percevoir les secrets de l'Ayurveda pour améliorer ton bien-être au quotidien. Nous voici sur la saison 2 des vidéos 1 minute pour comprendre l'Ayurveda. Avec la saison 1, tu peux retrouver 19 vidéos sur l'Ayurveda, ses origines, ses concepts ou ses domaines d'application. On y parle entre autres de science, médecine, croyances, mode de vie et art de vivre. Et dans cette saison 2, on explore le concept des doshas, les profils ayurvédiques, pour un voyage intérieur booster de ton bien-être. Comment réguler ses émotions par la méditation avec les doshas? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce nouvel épisode. Pour réguler ses émotions, s'asseoir et méditer ne va pas de soi. Oui, l'ambivalence de trouver le repos en position lotus en pleine crise émotionnelle laisse sceptique. Parce qu'en vrai, quand la science valide l'impact positif de la méditation sur la santé du corps et de l'esprit, cela concerne l'habitude de méditer. Et oui, avoir une pratique régulière, c'est s'accoutumer à mieux gérer toute épreuve mentale. D'où l'impact puissant de la méditation sur la mémoire, l'apprentissage ou encore la gestion de la douleur et de la dépression. Et ce qui aide bien nos doshas avec leurs tendances naturelles. En effet, quand Vata doit gérer un naturel anxieux, l'habitude de méditer aide par son pouvoir caché à atténuer le cortisone, l'hormone du stress, et soulager toute nervosité. Quand Pitta s'habitue à méditer sur une colère ou une critique, le rythme cardiaque, lui, ralentit et l'émotion n'a plus à déborder sur autrui. Quand Kapha prend l'habitude de méditer sur ce qu'il accumule émotionnellement, le pouvoir de s'ancrer dans un état de vigilance consciente aide à mieux digérer ses émotions. Alors, convaincu par ce que les neurosciences appellent le doudou du cerveau? Let's go pour profiter des bienfaits de la méditation. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous au prochain épisode. Tu ne veux pas le manquer? Alors abonne-toi à la chaîne Double Cosmos. Et oui, chaque semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode avec en alternance un jeudi sur deux, une vidéo, une minute pour comprendre l'Ayurveda, et un mardi sur deux, un épisode du podcast à retrouver sur YouTube ou ta plateforme d'écoute préférée. Et en attendant, tu peux t'enchaîner toutes les vidéos déjà en ligne.